Yo mon petit mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec une vidéo que j'avais vraiment très hâte de faire et j'avais encore plus hâte en fait, c'était de recevoir ce colis. Donc c'est ce colis là qu'on va ouvrir ensemble, donc c'est un tout petit colis, ok, mais c'est normal parce que c'est moi qui l'ai acheté. Alors, il faut que je te raconte, je crois que c'était en mars ou en avril l'an dernier, j'ai découvert une chaîne YouTube donc qui s'appelle I'm Rodolphe. Je vais te mettre le nom ici et je te mettrai bien sûr hop, en i et en barre d'infos le lien de la chaîne. Et en fait, je suis tombée en admiration pour le travail donc de la chaîne YouTube et le projet qui était donc 80 jours Japon. Et d'ailleurs, je pense qu'on le voit hein, sur Instagram, à chaque fois que I'm Rodolphe, la chaîne, a posté une vidéo, j'ai tout le temps partagé en fait sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram en fait, le lien de leur vidéo. Et à chaque fois, j'ai mis justement la miniature dans mes Insta stories avec écrit lien de la vidéo dans ma bio, etc. pour partager leur vidéo. Tellement que j'ai aimé. Et j'avais fait aussi sur ma chaîne une vidéo où je parlais de la chaîne parce que je l'avais découvert comme ça. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Et en fait, il faut savoir que Rodolphe et Georgette, qui est sa chérie, enfin, c'est son nom sur YouTube. Je sais très bien que c'est pas son vrai nom, mais je préfère quand même l'appeler Georgette. Et ben, ils ont écrit un livre sur leurs 80 jours au Japon. Et donc, j'avais tout simplement envie de participer et de l'acheter. Parce que tout simplement, quand t'as été fan d'un projet, que t'as regardé toutes les vidéos, que t'étais au taquet pour regarder la vidéo, liker, commenter, etc., que tu as aussi donc partagé les vidéos à chaque fois qu'elles sortaient, etc. Quand le youtubeur fait un livre ou fait quelque chose par derrière, bah t'as forcément envie en fait de continuer à participer à ce projet. Et donc du coup j'ai acheté le livre dès qu'en fait il est sorti, le jour même de l'annonce. Au départ je comptais l'acheter un peu plus tard, mais en fait j'ai craqué, j'ai pas su résister. Donc voilà, donc déjà le livre est super bien protégé. J'ai vu, ils ont fait des instastories Georgette et Rodolphe pour montrer vraiment qu'ils protégeaient ça à fond. Et donc, bah, ils ont écrit un livre où ils parlent un peu de tout, des bonnes adresses, de leur voyage, du projet et de d'autres choses. Et donc, j'avais tout simplement envie de l'acheter. Alors oui, il faut savoir que je ne suis pas forcément un gros fan des vrais livres. Je galère un petit peu. Mais en fait, il y a des livres où je sais très bien que je les lirai quand même de A à Z. C'est ce genre de livre. Voilà. Donc, avec ça. Et j'ai commandé aussi une des cartes postales. Voilà, qui est celle-ci. Et ils m'ont mis un petit mot derrière, super. Merci beaucoup pour tout ton soutien, Ibi. On espère vraiment que le livre va te plaire. Bonne fête et à bientôt. Ailleurs que dans le... Ah oui, d'accord. Donc en fait, il y a marqué bonne fête et à bientôt. Et en fait, il y a marqué ailleurs que dans le Carrefour d'Italie 2 cette fois. Parce qu'en fait, cet été, donc je suis partie quelques jours à Paris. Et il faut savoir que pendant tout le séjour, il fallait que je m'achète des barrettes. Ce genre de barrettes là, d'ailleurs. Ce genre de petites barrettes à la con. Et pendant toutes les vacances à Paris, j'y suis pas allée, j'ai pas trouvé le temps d'aller me chercher des barrettes. Et en fait, le dernier jour, la dernière journée entière que j'avais, je suis allée dans le Carrefour justement d'Italie 2. Et je les ai croisées justement au rayon salle de bain. Et donc justement, c'est la petite anecdote. Donc merci vraiment Georgette et Rodolphe pour ce petit mot qui est vraiment trop mignon et qui me fait extrêmement plaisir. Je sais pas si ça voudra faire le focus. Voilà, merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir justement. Et ça, c'était pour l'accrocher dans ma chambre, donc ça tombe bien. Elle est trop belle la photo et c'est une photo qu'ils ont fait eux. Il y a en plus apparemment maintenant le petit sticker avec le... Ça, c'est une illustration qu'a fait une personne pour eux. Et j'ai même suivi le compte parce que j'ai adoré l'illustration qu'a fait cette personne. Et il y a marqué merci et il y a la signature de Georgette. Donc merci à vous deux, franchement là ça me touche énormément. Je sais même plus quoi dire en fait, voilà. Et donc le fameux livre qui est juste mais magnifique en fait. Il est trop beau. Voilà. Donc voilà pour ça. À l'arrière on a les petites informations. Je vais te mettre ça comme ça, je pense. Je verrai pour que... Voilà, on va mettre comme ça et tu fais pause. Je te laisse faire pause. Oui, voilà. Et donc, bah, le livre, en fait, il est avec du texte, des photos. À chaque fois, si je dis pas de bêtises, il y a un côté, c'est une personne qui parle, le côté, c'est l'autre personne. Et chaque jour, en fait, est raconté. Il y a des magnifiques photos, comme tu peux le voir. Je ferai des façades quand je en parlerai. Et donc, bah, voilà, il y a plein d'informations. Après, je sais que, normalement, je voudrais pas dire bêtises. Il n'y a pas le sommaire. Est-ce qu'il est au début ou à la fin le sommaire? Est-ce que tu as mis le début ou la fin le sommaire?
Donc, on a, du coup, je te dis vite fait, on a donc la présentation avec tous les jours, leurs petits messages, leurs petites photos et tout le tralala. On va se mettre comme ça, touc, 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 touc. J'essaie de trouver en fait la suite. 65, 61, 72, on va y arriver. Ah non, d'accord, il y avait... Oui, c'est dedans qu'il y a... Non, c'est bon. On a après à l'intérieur, en fait, à chaque fois, ils ont parlé des restaurants, etc. Donc, ils ont mis les adresses, je crois, des restaurants. Il y a pour les retrouver sur Instagram. Ça, j'aime bien l'idée qu'il y a eu. Un petit dessin qu'on leur a fait, apparemment. Et on a donc une page de remerciement, une page donc glossaire, c'est le enfin un dictionnaire pour nous expliquer quand eux ils utilisent directement des mots à la japonaise pour qu'on puisse comprendre. Bah, juste Ashiyu, Bento, Bosozuku, waouh, bouddhisme, des trucs comme ça, le Drama, les Don, Family Mart, Family Restaurant, le Fugu, les Futons, etc. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. S'il y a des mots qu'on connaît presque tous, mais il y a aussi ceux qui ne connaissent pas forcément l'univers du Japon qui peuvent s'y intéresser. Donc voilà. Pour ce qui est du prix du livre, il est à 19,90 €. Donc au tout début, je pensais te faire une vidéo ouverture du colis, plus te donner mon avis dans la même vidéo. Mais comme je vois qu'elle fait déjà 6 minutes à cause de mes blabla, etc., et que j'ai quand même donné plus ou moins des explications sur le livre, je t'invite donc à aller voir dans la barre d'infos pour avoir les liens donc des trois réseaux sociaux de Rodolphe, Georgette et le 80 jours Japon. D'avoir aussi le lien du site, de sa chaîne YouTube, etc., etc. Et je reviendrai donc un peu plus tard, le plus rapidement possible, mais je veux quand même profiter du livre, donc le déguster, le savourer avec, voilà, sans me forcer en fait pour YouTube. Et je reviendrai donc pour te donner un avis sur le livre en tant que lecteur. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu et je t'invite donc à aller rejoindre Georgette et Rodolphe sur leur chaîne et sur leurs réseaux sociaux. Mais de toute façon, tu verras, il y a ma petite tête en rond qui va apparaître, mais il y a aussi la tête de la chaîne de YouTube, donc de Rodolphe, pour pouvoir y aller et découvrir tout ça si tu ne la connais pas encore. Voilà, sur ce, à bientôt!